Jérôme Michael, how do you know him? I feel a surprise. J'adore le musée Grévin. Non. Ah, je savais pas qu'on tournait dedans. Non. Joy, c'est notre public. Really? Ouais. No, sorry, I'm sorry, because they look so... Ils ont l'air tellement Michel Drucker, I mean... ils sont vieux, but it's okay, because j'adore les vieux, j'adore. Moi, je travaille beaucoup, j'ai fait beaucoup le business avec les vieilles personnes comme vous. Bien, Joe Biden, Donald Trump, Bill Clinton as well. Et je lance ma propre société de livraison de sexe pour le troisième âge. Ah. Peut-être je fais un peu le pubiste, Jérôme. Le quoi? Le publicité, sorry. Because it's called Uber Dick. Very good. You can take, I give you some cards for you, like this. Take the card for you. Yeah, of course, ça marche aussi pour les pauvres, bien sûr. Parce que j'ai fait un système de covoiturage. De covoiturage? Yeah, c'est le cul à plusieurs, voilà. C'est beaucoup moins cher. C'est le magicien, j'adore, yeah. Moi aussi, je suis un peu magicienne. Ouais, tu fais le sexe avec moi et après, oup, tout ton fric est disparu. Oh my God! Oh, no kidding, no, don't worry, don't move. This one is famous, this one is rich. I know, I look is rich. Are you famous, baby? Il est famous, ce monsieur, oui. Non? Famous. You're so famous. C'est Jacques, he's a big star in the French humour. I recognize you, yes, I know, it's Jacques, Jacques Chirac. Oh, my God, he's so famous chez nous. Oh, I know, I know. Manger les pommes. Very funny. Tu veux manger mes pommes, Jacques? He wants to eat my... Okay, so d'abord tu signes le contrat, Jacques, toujours. Non, d'abord le contrat, parce que chez nous, on signe toujours un contrat avant. Hein. In the USA, c'est comme ça. Oh, say, can you see by the dawn's early light how proudly we hail by the twilight's last gleaming. Bravo. 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 God bless America! Yeah. So, OK, tu signes ça, on appelle ça le contraception, Jacques, OK? Voilà. On fait toujours ça chez nous. On fait d'abord la grosse affaire, après on fait la petite. Hein? Ouais. Joy, pardon, mais c'est pas Jacques Chirac, c'est Jacques Maillot. Oh, OK, yeah, I get it. Jacques Maillot, voilà. Jacques Ketchup, peu importe. Ça va bien avec la saucisse aussi, hein, tu sais, tout va bien. Voilà. OK, very good. Hein, tu as signé? Sinon, je te prête mon pin. Oui. Non. Non, un pen, un stylo, quoi. Oh, yes, le pen. Jean-Marie, I know him, le pauvre. Mon petit œil de verre. OK, whatever. First, before we start, avant qu'on commence, elle est où, la caméra? C'est laquelle? Ouais, this one? OK. Ouais. Je fais focus on my boobs, because they're brand new. OK. Oh, my God. Oh, no, I can't believe it. Oh, I recognize. Je reconnais le caméraman, c'est Thierry. Oui. Thierry. Titi, on l'appelle Tire-Bouchon. Ah, on a tourné plein le film ensemble, pas vrai, Titi? Fast and Furious. Autant on apporte le gland 1 et 2, tu remember? Oh, very good. Il est très bon caméraman, toujours prêt pour la tournante. Allez, let's go. Je crois que c'est le tournage. Yeah. Joy, merci. Vous venez répondre à cette question. Vous êtes l'une de celles qui va peut-être empêcher Donald Trump de pouvoir se présenter aux prochaines élections. Uh-huh. L'ancien président dénonce une cabale qui servirait les intérêts démocrates. Oh, mais je ne fais pas de politique, Jérôme. Non, moi, je me fais juste les politiques. Ça rapporte beaucoup plus, OK? En plus, démocrate ou républicain, de toute manière, les partis, c'est les mêmes. Non, c'est juste la taille des partis qui change. Yeah, for example, Donald Trump, he's got a teeny little knacky ball. And je ne peux plus jamais mettre le knacky ball dans ma bouche maintenant. C'est, ah, non, OK, Laura. Okay. Ouais, on a compris. Yeah, OK, I'm sorry, because sorry for my French, because, you know, je, comment on dit chez vous, je ne sais pas bien branler le français. Non, parlez. Aussi, yes. Parler. The same. So sorry, Jérôme, je suis désolée. Vous êtes tout excusé, Joy. I know. Who say that? Who said that? Quoi? Non, moi je ne suis pas excusée ni du tout, hein. C'est Donald Trump qui est excusé. Non, accusé, oui. Accusé, ouais. Ah, OK, because not me, hein, because sinon j'appelle mon lawyer, comment on dit, mon anaconda. J'appelle Éric Dupond-Moretti, j'ai son numéro de toute manière. Et j'ai fait un contrat avec lui aussi, il ne faut pas croire, hein. Because me, I believe in God, Jérôme, hein. Yes. Je ne mens jamais, je crois dans les gods, jamais je mens. OK, Donald Trump, il a couché avec moi, it was late, il était, comment tu dis, il était grenouille. Hein? Il était tard, il était grenouille.
Ah, t'es tard. Ok, whatever, the same. So, j'ai couché avec lui, mais à l'époque, j'étais très flatulée, comme on dit. Flatté. Yes, aussi. Enfin, c'était une relation consentie, ça, que vous voulez dire. Yes, absolutely, Jérôme, c'est ça. C'était con et j'ai rien senti. Yeah, that's true. So, well, quand il est devenu président des États-Unis, oh, say, can you see? By the dawn, je suis partie trop. By the dawn's early light. God bless America! Ok, quand il est devenu président des États-Unis, il m'a donné 130 000 dollars pour que je ravale rien. Révèle rien. Aussi, yes, révèle rien. Yes. Aussi. Yeah. Ok. Et là, il a donné cet argent pour qu'on cache ce rapport entre lui et moi. And I'm so angry, Jérôme. I'm so angry. Pourquoi? Je suis, comment dire, Alexis Colère. Because quand je vois l'argent que votre président a vous, il a donné en France pour cacher ses rapports avec McKinsey, j'aurais dû demander beaucoup plus. I'm so stupid, Jérôme. Je suis, comment dire, Bruno Le Maire. Pas fut-fut, you know. Alors, whatever. Pour Trump, ce n'est que le début de l'histoire. Ce qui lui est reproché ne serait pas dramatique en France, mais c'est un crime aux États-Unis. Yeah, that's right. La morale n'est pas la même chez vous et chez nous. Chez nous, par exemple, aucune femme politique, elle aurait posé dans Playboy pour défendre le droit des femmes. Jamais. C'est un peu comme si Barack Obama posait dans Ku Klux Klan Hebdo pour se battre contre le racisme. Hein? C'est totalement ridiculous, non? Comment dire? C'est Olivier Véran? Non? And whatever. Enfin bon. Ah, tout ça pour dire que... Mais j'adore la France, attention. Hein? Moi, je ne juge pas. J'adore la France! Allons, enfants de la pastille, le jour de glande est arrivé. Avec moi, contre nous, tous les tyrannus, les gros dards sanglants, il est levé. Avec moi, les gros dards sanglants, il est levé. C'est magnifique, bravo, vive la France. Magnifique. J'adore la France, Jérôme. J'adore, je vous adore. J'adore tout de la France. J'adore surtout le cinéma. J'ai tourné avec Jean-Luc Godard, formidable. Ah oui, bah oui. Jean-Jacques Annal, formidable. Jean-Jacques Annal, great director. Yeah. And surtout la littérature, moi je lis beaucoup aussi. Ah oui? D'ailleurs, une de vos philosophes, elle a dit, de droite comme de gauche, si vous voulez obtenir quelque chose de vos hommes politiques, il faut leur apprendre à marcher à la braguette. Madame Claude. Ah bah oui, grande philosophe. So, and she was right because, you know, Mitterrand, coquinou. Ouais. Chirac, big coquinou. Sarkozy, small coquinou. But coquinou. Hollande with the helmet, avec le casque aussi, coquinou. And Macron, he was coke. Not just coke. Non, coquinou. Just coke. Coquinou, merci, c'est des joysticks. Okay, thank you. God bless America. Woo! Oh là, oh, incroyable. Le succès de Jacques Maillot, c'est dingue. Karine Duvernay, que vous retrouvez dans Souris pas. Souris pas les jeudis à Paris, donc ici, du 27 avril au 15 juin. Clermont-Ferrand, le 28 avril. Embrasse ta mère au grand point virgule. Ah bah, c'est le cas de le dire. Oui, c'est le cas de le dire. Enfin, là, c'était plutôt embrasse ton père, Jacques. Les 18 et 25 avril. Castres, le 22 avril. Et Perlimpinpin, c'est son nouveau spectacle à Saint-Riquier. Formidable salle à Saint-Riquier qu'on connaît bien. Les 5 et 6 mai.